un boulot pour moi? Ça dépend, tu cherches quoi? Un boulot en mer. J'en ai marre de moisir sur cette île. Alors t'as de la chance, mon gars. Les hommes de la marine ont accosté un peu plus tôt dans la matinée. Ceux derrière toi, ils recherchent des membres d'équipage. Pareil que vous recrutez des matelots? Vous faites voile vers où? Ah oui, c'est bien vrai. Mais on n'a pas vraiment de cap précis, mais on recherche des pirates. Tu m'as l'air d'être un honnête homme. Tu veux rejoindre la marine, mon gars? Ouais, je veux voyager, partir loin. Ça fait 20 ans que je traîne sur cette île. Alors, bienvenue dans l'équipage, Moussaillon. Eh les gars, on a un petit nouveau avec nous. Il s'appelle... tu t'appelles comment? Drake. Haha, c'est ça, c'est bien le frère de John. Tu connais mon frère... Silence! Vous êtes des marins, pas des pirates. Vous êtes au service du roi, alors comportez-vous comme tel. Drake, bienvenue à bord, marin d'eau douce. Retrouve-moi dans ma cabine, j'ai à te parler. Allez, on lève l'ancre tous au navire. Oui, Captain Flight. Waouh, avoir un navire pareil, j'arrive depuis... Pas de temps à perdre, toute voile dehors. Henry Morgan, George Booth, William Kidd, Anne Bonny, sans oublier Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Tous des chiens des mers, pillant, saccageant, tuant toute personne sur leur chemin. Je veux les voir chacun 6 pieds sous terre, ou au bout d'une corde. Voilà notre rôle, Drake, éliminer ces vermines de pirates. Vous avez l'air d'avoir une dent contre eux, pourtant ce sont des hommes libres, naviguant où bon leur semble. La vision des pirates pillant de l'or est assez tirée par les cheveux. La plupart du temps, un pirate cherche de quoi survivre. Comment? Que dis-tu? Tu défends ces pirates? Remettrais-tu en cause mon autorité? Non, pas du tout, je dis juste... Silence! Ou je te balance par-dessus le bord! Ces maudits pirates ont tué, pillé et brûlé Providence! Ils ont réduit cet havre de paix en poussière! Sors de ma cabine, avant que je ne t'étripe! Psst. Quoi? Ton frère était bien John, c'est ça? Comment tu sais ça, toi? L'équipage prévoit de te tuer. Quoi? Mais non, quelle sottise. Écoute-moi, ton frère, John, il était sur ce navire pas plus tôt qu'hier. Le capitaine Fly a décidé de le pendre ici, sur ce mât, de ce bâtiment, après avoir appris que c'était un pirate au service du célèbre capitaine Barbe Noire. Quoi? Mon frère? Un pirate? Nah, tu fais erreur. Qui plus est au service de Barbe Noire. Quoi qu'il en soit, John a appris par un matelot de ce navire les intentions du capitaine. Il a ensuite volé une chaloupe et s'est enfui. Le capitaine a ordonné à l'équipage de faire feu sur lui. La chaloupe a été détruite et il n'a plus donné de signe de vie. Ah, ça expliquerait cette longue absence. Et donc, par rapport à mon frère, le capitaine de ce rafio veut ma mort? Pourquoi me dire tout ça? John était un type bien, il méritait pas ça... Je veux plus être au service de la couronne, écoute. Non, toi écoute. On va s'emparer de ce navire et retrouver mon frère. Je suis sûr qu'il est encore en vie.